On vise une première application pour la saison touristique de 2021. Et donc, c'est comment permettre aux gens de relier la gare de Vernon vers ce site très très connu de Giverny, avec une navette électrique, donc entièrement écologique, et que ce soit très facile par l'autonomie. Il y a déjà des applications comme ça dans d'autres sites, mais il faut les acclimater à ce cas particulier de Vernon vers Giverny, où on aura la navette qui commencera en milieu urbain, dans Vernon, qui traversera des ronds-points pour prendre une départementale et arriver sur la navette. Donc il faut qu'on puisse faire du prêt-à-porter, finalement, plutôt de la customisation de ces véhicules autonomes dans ce cas précis. Qu'est-ce qui pose problème? C'est quoi, des ronds-points principalement, ou c'est l'état des routes, ou la physionomie des routes? Il y a la cohabitation avec les autres usagers de la route, il y a la traversée des ronds-points, et donc on va céder à la fois des capteurs dans le véhicule, mais aussi de ce que l'on met dans l'infrastructure. Donc on aura également la possibilité de connaître par des caméras, des radars au niveau des ronds-points, pour pouvoir bien comprendre la jonction avec d'autres axes et puis les autres véhicules.